Bonjour. Allez, je me présente un tout petit peu. Alors, c'est pas le bon bouton vert. Ah, ça y est, j'y arrive. Donc, Samuel Rottière. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis en fait les organisations avec lesquelles je travaille, parce que moi, j'ai un employeur qui s'appelle Noventia. Je suis en même temps dans une association qui s'appelle Inkanban France, qui organise une petite conf en fin d'année. Je fais aussi partie d'une association de coach qui s'appelle Agiro, et accessoirement, j'aide des clients. Et donc, avant, j'étais en banque d'investissement, et maintenant, je suis de nouveau en banque d'investissement. Si un jour vous voulez causer de ça avec moi. Ok, allez, j'y vais direct. Bon, pourquoi on estime, à quoi ça sert? Je vais directement au fond des choses, directement dans le sujet. Donc là, moi, ça fait quelques temps que j'aide des équipes, je les accompagne, et souvent, on revient sur le sujet des estimations. Et quand je demande, mais pourquoi en fait vous estimez? Ben, j'ai toujours ces trois réponses-là qui m'arrivent. Alors, je vais un peu les détailler. Alors, la première, donner des dates. Donc là, on arrive bientôt l'été, à quel moment on va partir, comment on va faire les choses. Bon, il se passe quoi dans les projets? Souvent, on demande des dates. Alors, je fais quoi? Je vais estimer, je vais voir combien de temps ça va me prendre pour faire quelque chose. Je vais prendre le projet A, le projet B, le projet C, je vais faire un beau Gantt, je vais regarder les effectifs, et puis à la fin, je vais essayer de donner des dates. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en plus donner des dates sur tous mes projets. Comme ça, je serai capable de savoir exactement ce que je vais faire. Donc, en général, c'est ça. Bon, après, quand je demande, mais au fait, à quoi ça sert d'avoir toutes ces dates? Est-ce que vraiment, il y a une contrainte sur ce projet-là pour dire qu'il faut être en prod à tel moment? Finalement, le passage à l'euro avec une date fixe au 1er janvier, est-ce qu'on attend que ça? Bon, en fait, moi dans la pratique, ce que je vois, c'est qu'on donne beaucoup de dates, mais je ne sais pas trop pourquoi en fait on donne des dates. Parce que dans l'absolu, au fond, à quoi ça sert de donner des dates? Bon, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est l'efficacité. Alors, il y a quelques temps, j'étais à une réunion qui était super sympa, et donc on a parlé d'efficacité, puis on a parlé d'estimation. Et on a demandé à quoi ça sert d'estimer. Et donc, une des réponses que j'ai eues par un PMO, c'était on estime, et puis après, ça permet de savoir si, par rapport à ce qu'on a estimé, ce qu'on a fait, s'il y a un écart. J'étais là, ouais, super, et t'en fais quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait du fait de savoir qu'il y a un écart entre l'estimer et le réaliser? Est-ce que ça va me permettre de m'améliorer pour la prochaine fois? Bon, j'avoue, moi, je suis mitigé sur ce point-là, parce que dans l'informatique, en général, on fait jamais deux fois la même ligne de code. Moi, je suis surtout dans l'informatique, hein, vu que je suis dans la banque. Et à l'arrivée, tous ces trucs-là, de savoir si, par rapport à ce qu'on a prévu de faire, est-ce qu'on a vraiment fait, à quoi ça sert. Bon, moi, je l'avoue que sur ce point-là, je suis aussi assez mitigé sur l'intérêt de la chose. Et le dernier, l'engagement. Parce que c'est important, l'engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces discours-là. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a donné une date, qu'on a estimé, l'équipe doit s'engager, elle est committée à réaliser à fond et à 100% à la fin, elle doit réussir. Sinon, c'est pas bien. Bon, moi j'avoue que dans un monde comme l'informatique où justement on fait jamais deux fois la même chose, dire que je vais réussir à m'engager et je suis sûr à 100% que je vais finir à tel moment, bon là j'avoue que je suis aussi un peu critique. Donc là, en gros, voilà. Pourquoi on estime? Ben, en fait, je sais pas pourquoi bien à la fin. Puis là, je vais y aller encore plus fort. Allez, donnez des dates. Alors, VUCA, est-ce que par hasard d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui a entendu parler du monde VUCA? Si vous pouvez lever la main là. Une? Ah, bien! Bon, VUCA, c'est quoi? C'est un acronyme de l'armée américaine sur les guerres non linéaires. Waouh, qu'est-ce que ça fait là? C'est assez intéressant quand même le concept qu'il y a derrière. En gros, ils disent que le monde est en train de changer et qu'on n'est pas dans le monde d'avant. Et donc, VUCA, ça veut dire, donc c'est en anglais, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Alors, volatilité, en gros, ça dit quoi? Ça dit que le rythme du changement s'accélère. Il y en a même qui disent que le rythme de changement du monde est supérieur au rythme de changement des organisations. Donc là, en gros, ça dit quoi? Ça dit qu'actuellement, le monde est en train de changer et qu'il change de plus en plus vite. L'incertitude. Donc l'incertitude, c'est quoi? Ça dit qu'il y a des événements rares qui, bien que rares, apparaissent. Donc c'est quoi? Le Brexit, Fukushima, Donald Trump. Et là, on voit quoi? On voit qu'il y a des événements rares comme ça qui, normalement, ne devraient pas se passer. Il y a tellement rares d'événements rares qui ne devraient pas se passer qu'à l'arrivée, il y en a bien qui se passent. Donc là, en gros, il y a quoi? Il y a des événements rares, statistiquement super improbables, qui apparaissent, et ça fait que ça remet en cause beaucoup de choses. Après, complexité. Complexité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des dépendances avec d'autres personnes, d'autres organisations, d'autres projets. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on veut faire des choses, bah, je suis lié à telle équipe, telle appli, qui est liée à telle autre, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un gros jeu de domino qui bouge comme ça. Et donc, en gros, tout bouge en même temps. Et le dernier, ambigu. Ambigu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de plus en plus de mal à être capable d'être un bon cartésien, un bon français, et dire, si j'ai telle cause, je vais avoir tel effet. En gros, on a beaucoup de mal actuellement à dire que c'est parce que j'ai fait ça qu'il va se passer ça. Donc là, les modes où je suis capable d'analyser, prédire, ils marchent de moins en moins. Donc là, on passe beaucoup plus dans des modes style expérimentation. Donc avec tout ça, j'ai dit quoi? Le changement s'accélère, il y a des événements imprévus qui arrivent, je suis lié avec les autres, et en plus, je ne suis pas bien sûr de ce que je fais, je suis toujours obligé d'expérimenter.
Et avec ça, vous continuez à donner des dates. Bah, c'est que vous êtes vachement fort. Donc moi, perso, donner des dates, de plus en plus, je trouve que ça sert quasi à rien. Après, l'efficacité. Donc là, l'efficacité, là, j'ai parlé de la discussion sur qu'est-ce que tu fais sur l'écart entre qu'est-ce que tu as estimé et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on passe beaucoup de temps là-dessus, et à la fin, ça fait quoi? Ça fait de la justification. Mais alors là, moi, je fais une grosse différence entre justification et décision. Si ça peut m'aider à m'améliorer, je trouve ça intéressant, mais si c'est juste, je me justifie parce que je ne suis pas exactement dans ce que j'avais prévu, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, pourquoi j'ai mis une petite bulle enfin, une grosse bulle qui est jolie et plein de petites bulles à côté? Parce que dans mon passé, en gros, j'étais responsable d'une équipe, et au sein du périmètre, toutes les applis du périmètre avaient dû installer un système de log pour savoir si les utilisateurs utilisaient vraiment l'appli, à quoi ça servait, mettre en place des indicateurs. Dans mon équipe, ça avait coûté 3 jours. Dans l'équipe à côté, ça a coûté 50 jours. Alors, d'où il vient ce décalage? Il vient grandement au fait que bah, nous, on avait pris le truc en disant bon, on y va, puis on est parti. Là, de l'autre côté, ils avaient dit on va estimer, on va voir exactement ce qu'il y a à faire, et puis après, on va pouvoir pondérer. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Ils rajoutent de la contingence pour être sûr d'être au bon moment. Donc, à l'arrivée, ça fait quoi? Ça fait qu'on passe beaucoup de temps à estimer. On se concentre beaucoup sur ces questions-là, et en plus, à l'arrivée, c'est cher. Tous ces trucs-là d'estimation, pour moi, c'est cher. Et après, le dernier, l'engagement. En l'occurrence, moi, j'ai bossé pour la banque dont parlait Émilie tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur la partie KPI. Donc, l'important, c'est que les gens soient engagés et committés, qu'ils fassent ce qu'ils disent. Donc, moi, ça, ces discours-là, chez les managers, je les ai entendus plein de fois. Et donc, nous, chez nous, il y a un KPI qui s'appelle le KPI Pastèque. Donc c'est pour aller plus loin de ce qu'il dit Émilie. Donc c'est quoi un KPI pastèque? Le KPI, il doit être bon, il doit être vert. Vous connaissez la couleur de la pastèque à l'extérieur? C'est vert. Vous l'ouvrez, c'est quelle couleur à l'intérieur? C'est rouge. Spécialiste de je cache tout sous le tapis. Et par contre, tout est vert. Donc en gros, le KPI pastèque, c'est vraiment, on met un indicateur, mais en fait, à l'arrivée, derrière, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est le nom qu'on donne aux indicateurs dans la grande banque dont on a parlé. Ok. Bon. Mais au fait, on délivre quoi? La question un peu que je me pose, c'est là, en fait, de quoi je viens de parler. Je viens beaucoup de parler de coûts, de choses à faire, mais je ne sais pas vraiment ce que je fais et à quoi ça sert. Normalement, j'aurais dû passer hier, il faisait beau, alors la salade, ça aurait été bien, là, il fait un peu plus frais. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous préférez quoi? Vous préférez les frites ou vous préférez la salade? Salade, toujours? Allez, on va dire que c'est salade. Bon, pourquoi je montre ça et à quoi ça sert? C'est vraiment toute la question autour de... Ok, c'est bien d'estimer, éventuellement ça sert à quelque chose, mais c'est surtout, finalement, qu'est-ce que je vais livrer quoi. On passe tellement de temps à parler des estimations, à se justifier sur le coût, à expliquer pourquoi on a fait les choses, qu'à l'arrivée on perd de vue de à quoi ça sert, qu'est-ce que je vais livrer. Donc là je vais prendre un petit exemple de chez vous, allez je vais essayer de contextualiser. Alors pourquoi il y a un beau buffet comme ça? Donc là il y a un beau buffet avec des aliments, des assiettes, et vous voyez il y a plein de choses dessus. Un des premiers trucs qu'on va faire quand on fait du nouveau estimate, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'on livre, à quoi ça sert et c'est quoi les options de valeur. Donc d'habitude, quand je le fais, vu que je suis parisien, moi je parle du site de la RATP, mais je vais même contextualiser. Donc hier soir, je suis allé sur, c'est Astuce, je crois que ça s'appelle, le site pour réussir à faire les itinéraires. Et donc je me suis amusé. Donc je suis allé sur Astuce, je suis allé sur la partie itinéraire. Je sais pas si vous la connaissez un peu, bon c'est quand même assez simple et assez basique. Et donc j'y suis allé. Donc je suis allé sur 2A. Donc j'ai tapé gare, et là j'ai fait ok, et là ça m'a sorti le café de la gare, 5 gares, je savais même pas qu'il y avait autant de gares ici. J'ai dit bon bah ok, en gros j'ai essayé d'aller de la gare à ici. Donc après finalement j'ai mis une gare un peu au pif, et après ici là, j'ai vu qu'on pouvait mettre des lieux, bah je mets 106, et là rien, pas reconnu. Là je fais mince, bon c'est quoi l'adresse? 106 quai, Jean de Bettencourt, c'est ça? Et là je tape ça, et là pas reconnu. Je fais là, bah mince, à quoi ça sert? Bon, pourquoi je suis en train de raconter tout ça? En gros, ce qui est bien dans le site et dans les itinéraires, c'est quoi? C'est la capacité à faire que moi, utilisateur du site, je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi mon scénario d'usage? Mon scénario d'usage, je suis en train d'essayer d'aller de la gare ici. Et là, en général, ce qu'on perd dans les estimations, c'est qu'on n'est plus en train de regarder quel est le scénario d'usage et en quoi je délivre de la valeur. Donc après, je vais reprendre le site Astuce et je vais vous montrer comment moi, je pourrais le découper. Donc là, c'est un peu ce que je mets dans le buffet pour info. C'est, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il y ait des murs, c'est pas qu'il y ait de l'ananas, c'est qu'est-ce que moi, utilisateur, je vais gagner si je mange de l'ananas ou si je mange des murs. Donc là, on prend le site Astuce, et je le fais de tête, hein, je suis pas sûr de tout. En gros, sur la partie 2, ce que vous pouvez rentrer, c'est vous pouvez rentrer une station, vous pouvez rentrer une adresse, vous pouvez aussi vous géolocaliser, vous pouvez aussi rentrer des lieux. Sur la partie A, vous pouvez faire la même chose.
Et après, il y a quelques options en plus, style la date à laquelle vous partez, est-ce que vous voulez arriver à cette heure-là ou partir à cette heure-là. Et il y a même encore une option en dessous, que j'ai pas bien compris d'ailleurs, c'est la marche. Alors au début, j'ai cru que c'était vraiment que le site il servait à faire que je puisse choisir d'aller à la gare ici en marchant. Mais en fait, en regardant un peu plus loin, je me suis rendu compte que on pouvait faire. Donc en mettant la vitesse à laquelle je marche, il y a même la distance maximum à pied que je fais. Et je me suis amusé hier, je suis allé essayer de mettre 32 mètres pour voir ce qui se passait. Bon, en fait, on peut mettre que des multiples de 50. Mais je me suis quand même demandé, c'est quoi le scénario d'usage de ce truc-là? Bon, là maintenant, je vais vous le redécouper, je vais faire un truc sérieux. Donc si je prends tout le site que je viens de vous décrire, si je le découpe en options de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va l'utiliser. Donc première chose que je vais faire, je vais uniquement faire de station à station, pas de gestion d'horaire. On pourra appuyer sur le bouton, et là, ça m'affichera comment y aller. Donc là, vous voyez, je suis en train de réfléchir à comment l'utilisateur pourrait l'utiliser. À quoi ça sert? Bah, au moins, un minimum, je suis capable d'aller d'une station à une autre station. Après, éventuellement, je peux rajouter les rues. Après, je peux rajouter les sites. Après, je peux rajouter la notion de l'heure. Et après, je peux rajouter le truc à la fin où finalement, j'ai toujours pas compris quel est le scénario d'usage. Peut-être parce que vous avez beaucoup de personnes âgées et qu'il faut pas leur faire marcher trop longtemps. Mais si quelqu'un a réussi à me trouver pourquoi ça a été fait, ça m'intéresse. Donc là, vous voyez, je suis parti complètement ailleurs que la partie estimation. C'est d'abord, je découpe et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'apporte de la valeur et pourquoi je fais les choses. Donc dans No Estimates, le deuxième titre, c'est Concentrons-nous sur l'essentiel. Un des premiers trucs qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre en quoi j'apporte de la valeur. Deuxième truc. Donc là, en fait, il faut parler un peu anglais pour comprendre le truc. Donc en français, on compte des choux et des carottes. En anglais, on compte des pommes et des oranges. Il faut pas mélanger les deux. Et bien si, en No Estimates, on va mélanger les deux allègrement. En faire de l'estimation implicite. Je reprends le site astuce. Donc j'ai dit quoi au début? Que j'allais faire juste de station à station, et que j'appuie sur le bouton rechercher, et ça m'affiche peut-être le plan et quel bus il faut prendre. Donc là, le premier truc que j'ai décrit, c'est un scénario d'usage, c'est qu'est-ce qui m'apporte de la valeur. Ce que je vais faire après, si je dois faire un développement informatique, c'est que je vais développer la partie de, je vais développer la partie A. Après, je vais faire que quand j'appuie sur le bouton rechercher, il y a un mécanisme qui me permet de trouver comment y aller, et puis à la fin, ça va afficher quelque chose. De A, si je suis un agiliste, ce sera une user story. Ce qui va se passer derrière le bouton rechercher, ce sera aussi sûrement une user story. En gros, là, il va y avoir quoi? Il va y avoir du comportement de l'application. D'abord, première fois, option de valeur, c'est vraiment les scénarios d'usage. Deuxième partie, c'est comprendre quel est le changement de comportement de l'application. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je m'arrête là. J'estime pas. En fait, quand on dit que dans nos estimates, on n'estime pas, c'est complètement faux et on est des gros truands. En fait, ce qu'on fait pas, c'est qu'on ne passe pas de temps à estimer. Mais je suis capable de vous donner une estimation. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais compter le nombre de user story. En gros, je vais compter le nombre de pommes, d'oranges, de ce que tu veux. Et je dis que tout vaut 1. Et après, si tu veux une estimation, un budget en euros, bah, c'est pas dur. J'ai combien de bonhommes? Je suis capable de faire combien de user story sur un mois? Bah, voilà, je sais combien ça coûte. Donc quand on dit no estimates, il n'y a pas d'estimation, c'est complètement faux. En fait, il n'y a pas d'estimation explicite. On ne passe pas de temps à estimer, on fait des estimations implicites. Donc en gros, c'est en prenant quoi? C'est je prends mon projet, je prends mon initiative, je la découpe en qu'est-ce qui apporte de la valeur. Après, une fois que je sais ce qui apporte de la valeur, je le découpe en quelles sont les fonctionnalités nécessaires. Et là, après, je suis capable de dire à peu près combien de temps il me faut et où est-ce que je vais aller. Là, je parle de développement informatique, mais on pourrait faire quasi la même chose sur la partie non informatique. Après, pour que ça marche, il faut absolument avoir des cocktails. Si vous n'avez pas de cocktail, ça marche pas. Non, pourquoi je parle de ça? Il y a quand même un truc qui est nécessaire pour bosser comme ça. Dans certaines banques, comme celle dont a parlé Émilie, pour réussir à bosser comme ça, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut quand même un minimum, un environnement qui est favorable. Alors, qu'est-ce que je mets derrière? Ça veut dire qu'entre le métier et la partie IT, il ne faut pas qu'il y ait une fracture trop nette entre les deux, et il ne faut pas que le métier soit toujours en train de challenger l'IT sur vous êtes trop cher, je comprends pas comment ça coûte, moi je le fais en 3 jours, toutes ces questions-là. S'il n'y a pas de confiance entre les deux, vous n'arriverez jamais à le faire. Il faut absolument faire que, ok, côté IT, ils vont faire l'estimation implicite, ils vont prendre le besoin métier, ils vont essayer de le comprendre. Déjà, la première partie découpée en incrément de valeur, qu'est-ce qui va être utile, ça, il faut absolument que le métier le fasse. Si le métier ne le fait pas derrière, on ne peut rien faire. Et après, toute la partie derrière, le fait de donner des estimations implicites, il faut que le métier soit d'accord pour le bosser comme ça. Alors, pour la petite histoire, ce qui se passe quand on est en no estimates, en général, si on fait ça bien, je ne donne jamais un seul chiffre. Pourquoi je ne donne jamais un seul chiffre? Vu qu'il y a, je ne suis pas capable de prévoir exactement ce qui va se passer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mes data historiques et je vais voir combien de temps ça m'avait pris. Et là, je vais en général faire la moyenne, moins l'écart-type, ou plus l'écart-type.
Et ce que je vais te dire, c'est que bah, je vais finir entre telle date et telle date. Ça va coûter à peu près entre temps et temps. Donc en général, à chaque fois, on donne des ranges. Donc là, il faut, un, que les gens soient prêts à entendre qu'on ne va pas donner un chiffre absolu, on va donner un écart. On va dire que je vais être entre telle fourchette et telle fourchette. Et là, à ce moment-là, on pourra bosser comme ça. Bon, c'est quoi le gros intérêt quand même de bosser comme ça? Il y a des équipes. Bon, moi, des fois, je trouve que c'est quand même un peu abusé de dire ça. Il y a David Anderson, un des produits Kanban, qui disait qu'il avait vu une équipe qui passait 25% de son temps à estimer. Bon, moi, des équipes qui passent 25% de leur temps à estimer, j'en ai pas vu, mais des équipes qui passent au moins 10% de leur temps à estimer, j'en ai vu plutôt pas mal. Donc, en gros, les 10% de temps qu'on passait à estimer avant, moi, je les prends, je les mets de côté, et je bosse! Arrête d'estimer, fais. Bon, il y a toute la partie découpage qui prend quand même un peu de temps, mais ça, c'est pas quelque chose de perdu, parce qu'on est vraiment en train de discuter sur en quoi je livre de la valeur. Bon, et la conclusion? C'est des jolis nœuds, hein? Il y a des voileux ici ou pas? Bon, il y a plein de nœuds en général en voile, on ne fait pas toujours le même. Et quel nœud on fait à quel moment? Alors en fait, ça dépend un peu du type de nœud qu'on veut faire. Là, je rejoins un peu Émilie sur. Ok, je peux faire du no estimate. Donc, je peux aller jusqu'à la notion d'estimation implicite avec tout vaut 1. Des fois, je peux aller jusqu'à utiliser ce qu'on appelle du t-shirt sizing. T-shirt sizing, c'est. Je vais me limiter à chaque fois à dire qu'une fonctionnalité, c'est taille S, de taille L, de taille L. Et je ne vais pas aller plus loin. Mais j'ai quand même fait une estimation de type t-shirt sizing. Là, en gros, pour moi, c'est vous prenez le nœud dont vous avez besoin. Je ne vais pas vous dire no estimate, ça veut dire exactement ça. No estimate, le gros truc qu'il y a derrière, ça veut juste dire pourquoi tu estimes, à quoi ça sert, et estime si ça a un intérêt d'estimer. Des fois, il y a des choses qui peuvent avoir un intérêt, c'est je vais estimer à grosse maille pour savoir si oui ou non je vais le faire. Bah, dans ces cas-là, estime. Et si finalement, le truc qu'on te demande, tu es sûr de devoir le faire, à quoi ça sert d'estimer? Le truc, c'est no estimate, on essaie d'être intelligent et de se focaliser sur à quoi ça sert, pourquoi je le fais. Donc voilà, je vais pas vous dire faites ça. Je vais pas être le consultant, je sais plus comment t'as dit, là, qui arrive et qui vous dit la méthode, c'est ça. No estimate, c'est vraiment se poser la question à chaque fois pourquoi vous estimez, et si finalement la question, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous estimez, bah, vous le verrez. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions? Merci Samuel. Effectivement, des questions. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi de ton intervention, c'est que ça remet en question le management à la française, qui consiste à manager par l'indicateur. Et en tout cas, là, ça repose la question du sens et ça met le sens au milieu du projet. Et ça, je pense qu'on ne peut Ouais. que s'en féliciter. Mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec Émilie. Mais ça rejoint un peu, de toute façon, ce que disait Émilie, c'est il y a pas mal dans les écoles de management, des choses comme ça, où on leur explique qu'il faut faire comme ça. Et en fait, ils font de la gestion de projet traditionnelle, mais en fait, quand on leur demande mais pourquoi tu estimes, ils ne savent pas répondre. Le PMO, quand je lui avais posé la question de qu'est-ce que tu fais avec l'écart entre l'estimer et le réaliser, il a été incapable de me répondre. En fait, il reproduit des schémas qu'il a appris avant. Des questions pour Samuel? Y en a-t-il à cette heure-ci où Ouais, tout le l'hypoglycémie monde a envie de commence à manger. se faire J'aurais pas un dû vous peu mettre des objectifs. présente? Vraiment, vraiment, j'insiste, il y en a une. Voilà, j'ai bien fait d'insister. Allons-y. Bonjour. Quid de l'engagement client? La maturité, c'est bien beau de ne pas mettre de prix, de ne pas mettre de délai, mais en général, un projet, ça répond à une logique de ROI, à de lignes budgétaires. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Alors ça dépend ce que tu appelles un client en fait. C'est quoi pour toi un client d'ailleurs? Le client final, celui soit en interne, soit le métier, il a besoin de savoir où il va. Il a besoin de savoir où il va. Alors déjà, une partie de la réponse, elle est pas dans on arrête d'estimer. Hein. On estime de manière implicite et je suis capable de donner des dates et majoritairement je suis capable de donner des dates en partant sur mes data historiques. Et en termes de précision, d'ailleurs, je suis quasi plus précis qu'en faisant des estimations comme avant où je te découpe tout le truc. Moi, après, des fois, ce que j'ai envie de répondre, et il y a des endroits où justement ils ont eu beaucoup ce débat-là, c'est OK, je peux te donner une date, mais t'es content en fait si j'arrive jamais à la respecter. Et il y a beaucoup d'endroits où je préfère qu'on donne pas de date plutôt que d'en donner une. Et alors, parce que comment je fais pour respecter la date? C'est soit je prends beaucoup de marge, soit j'y vais, finalement je la respecte jamais et je passe ma vie à décaler. En général, ce qu'on dit, c'est que si ta vélocité, alors la vélocité, c'est
Bon, c'est un concept Scrum mais qu'on peut appliquer ailleurs. C'est en gros, c'est le nombre de cartes que tu arrives à faire sur une semaine, sur deux semaines, sur un mois. Bon, tu choisis de faire comme tu veux sur le timing. En général, c'est sur une semaine. Si ta vélocité n'est pas stable, et pas stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 3 points en dehors de ton tunnel, la moyenne plus ou moins l'écart type. Ou si tu as 5 traits qui montrent que tu es en train de sortir du tunnel. Dans ces cas-là, on considère que ton système il est instable. Alors moi, j'appelle le système l'équipe. Donc dans ces cas-là, on considère que de par tes data, on montre que tu es plus stable, donc que tu devrais plus être capable de donner des dates. Si je suis stable, je donne des dates, j'utilise mes data historiques, je suis capable de dire à peu près. Sachant que, en plus, côté métier, en général, moi je leur redonne le pouvoir en disant, mais finalement, si tu veux absolument être à telle date, à toi de mettre les choses dans les tuyaux au bon moment. Je suis capable de lui dire, bah, si je le mets à tel moment, tu l'auras à tel moment. Si je le mets à tel moment, tu l'auras à tel moment. Et je leur donne des plages où là, je peux dire, là, c'est sûr, jamais tu l'auras. Là, je sais pas, tu l'auras dans cette plage-là. Et là, je suis sûr à 100% que tu l'auras. Donc en général, ce qu'on fait côté métier, c'est en disant, dans tout ce que tu as là dans les tuyaux, est-ce qu'il y a des trucs où tu veux absolument être prêt à telle date? Bah, si c'est le cas, regarde l'intervalle et mets-le dans les tuyaux pour être sûr que ça sorte avant que tu en aies vraiment besoin. Et tout le reste, finalement, bah, tu verras quand même au fur et à mesure comment tu le mets, mais je vais pas nécessairement te donner des dates sur tout. Le problème d'avoir des dates sur tout, c'est que ça crée vachement de contraintes, ça imbrique tout, et dans la pratique, c'est super dur de respecter toutes les dates. En général, tu les foires toutes. Donc je préfère en général de mettre des dates que sur peu de choses, les choses qui ont vraiment de l'importance. Et après le reste, je vais me concentrer sur essayer de dépiler le plus vite possible pour faire que tu aies le plus de choses en prod. J'ai répondu à la question ou... Merci beaucoup Samuel Retière, mesdames, messieurs.